parler du budget programme et du budget de moyens, nous devons d'abord voir d'où nous sommes partis. Nous avons aujourd'hui un système de management qui est le système à l'ancienne, à savoir les budgets sont votés pour remplir des ambitions sur la base des moyens mis à disposition. Vous savez qu'il y a une dizaine d'années, on parle de gestion axée sur les résultats, mais jusque-là, on ne l'a jamais appliqué. Et donc, nos chefs d'État, et en particulier notre chef d'État, le président de la République, a décidé que pour le Congo, comme cela est prévu dans les directives de la CEMAC et notamment dans le programme de réforme économique et financière qu'on appelle PREF-CEMAC, nos pays doivent basculer en gestion axée sur les résultats et donc appliquer le budget programme qui est l'outil de mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats. Maintenant, quelle est la différence entre ce nouveau mode de gestion et de gouvernance des finances publiques et de management de la société avec le système ancien, c'est-à-dire le budget de moyens? Le budget de moyens, c'est d'abord un budget qui est basé sur l'utilisation des crédits sans définition précise de résultats à atteindre. Dans les budgets de moyens, quand on vote les budgets, on vote en fait des crédits pour des directions ou des institutions, quelles qu'elles soient. Bien sûr, sans indiquer dans le cadre des débats quels sont précisément les résultats à atteindre par rapport à ces moyens affectés. Dans l'autre approche, qui est l'approche de budget-programme, nous sommes dans une approche performance qui est basée sur le fait que, plutôt que de parler de moyens pour chaque direction, pour chaque institution, il faut d'abord définir une stratégie d'atteinte d'objectifs et de réalisation de résultats particuliers. Comment ça se passe? Chaque département a une stratégie qui découle de l'ambition du pays, donc du PND ou du programme du président. Cette stratégie est déclinée en programme. Pourquoi programme? Parce qu'en fait, on peut considérer que les problèmes de la société peuvent être résolus à travers les politiques publiques. Donc, à chaque politique publique, on peut associer un programme précis pour adresser les problèmes qui sont des problèmes de société à résoudre. Le gouvernement adopte des programmes donc, qui sont la réalisation des objectifs à atteindre pour résoudre les problèmes des Congolais. Et pour chaque programme, nous devons définir les résultats à atteindre pour résoudre les problèmes qui existent. Donc, on a d'une part, pour chaque ministère ou institution, quelle qu'elle soit, la définition de programme, des objectifs, des résultats à atteindre. Et ce n'est qu'après que on va parler de crédits ou de moyens alloués pour atteindre ces objectifs. Dans le fonctionnement de la société, on passe d'une gestion d'affectation de moyens à une gestion d'abord de réalisation d'objectifs et d'atteinte de résultats. Concrètement, comment cela va se passer? Chaque année, en fonction des programmes qui sont arrêtés pour résoudre les problèmes de la société, on va définir des résultats à atteindre et, en fonction de ces résultats, affecter les moyens nécessaires pour atteindre ces résultats. Et pourquoi on dit que c'est une approche performance? Parce que les objectifs, au départ, donnent lieu à des plans d'action, à des projets, programmes en œuvre de performance, qui sont donc la synthétisation des actions à mettre en œuvre pour atteindre les résultats, mais aussi à la fin de l'année, en fonction donc des programmes annuels de performance, on va évaluer les résultats compte tenu des indicateurs qui ont été définis dans les projets annuels de performance, ce qu'on appelle rapport annuel de performance. L'avantage de ce système, c'est quoi? C'est que chaque responsable programme, chaque ministre, chaque responsable d'institution, chaque responsable d'entité publique, société publique ou établissement public s'engage à atteindre des résultats compte tenu des moyens qui ont été mis à sa disposition. Et derrière, il y a le contrôle par les citoyens à travers l'institution principale de contrôle qu'est le Parlement, ainsi que la Cour des comptes. Donc, je synthétise, dans l'approche budget-programme, nous sommes donc en plein dans l'application de la gestion axée sur les résultats. Le budget-programme n'est autre chose que l'outil technique de management qui est mis à la disposition des autorités pour appliquer la gestion axée sur les résultats. Et dans cet outil, on fixe les objectifs, on a les moyens, mais qui doivent servir obligatoirement à justifier les résultats
à atteindre. Et donc, dans ce système, un rôle important est donné au Parlement, qui chaque année vote d'abord le budget sur la base donc de programme, l'unité de vote du budget. Ce n'est plus le ministère dans sa globalité, mais c'est le programme, puisque dans chaque ministère, nous avons une stratégie ministérielle qui découle donc du plan d'action du pays, du PND, qui définit les programmes, et donc les budgets sont votés programme par programme et ministère par ministère. Dans l'évaluation de la politique gouvernementale, donc la loi de règlement qui justifie en fait l'utilisation de l'argent, ben, le règlement sera fait programme par programme et sera convoqué au Parlement. Non seulement les ministres, mais surtout les responsables programmes qui doivent justifier l'atteinte des résultats compte tenu de l'argent qu'ils ont consommé pendant une année donnée. Et derrière, il y a non seulement le contrôle du Parlement, mais aussi de la Cour des comptes. Je signale que la Cour des comptes a bénéficié d'une nouvelle loi qu'on appelle la loi organique qui lui donne beaucoup de pouvoir de contrôle et surtout de jugement des comptables publics. Donc, quand le responsable public, ministre, responsable programme, signe son rapport annuel de performance pour justifier l'utilisation des budgets qui ont été mis à sa disposition, il engage sa responsabilité. Désormais, et le Parlement et la Cour des comptes peuvent prendre le rapport justificatif de sa gestion pour aller contrôler et vérifier que les résultats qui ont été annoncés et certifiés par le responsable programme, le ministre, le responsable d'institution sont conformes à la réalité. C'est ça la grande innovation dans les budgets programmes. Dans les budgets programmes, la population et surtout le pays gagnent en termes de résultats obtenus. Pourquoi ? Parce que chaque responsable programme, chaque responsable d'institution, ministre, directeur généraux et autres, doivent à la fin de chaque année justifier l'utilisation de l'argent public par rapport aux résultats qu'ils ont atteints. Ce n'est pas l'exécution du budget en disant « bon, j'ai reçu tant, j'ai dépensé tant, voilà, c'est là ». Vous avez reçu de l'argent, par exemple, pour construire des écoles, il y a eu combien d'écoles ? Vous avez reçu de l'argent pour mettre en place tel programme informatique, quel qu'il soit. L'argent a été consommé. Est-ce que le programme existe ? Est-ce qu'il fonctionne ? Ça donne des pouvoirs importants au Parlement pour réellement contrôler l'utilisation de l'argent public en comparant les moyens consommés aux résultats qui sont annoncés et attestés par le responsable de l'institution ou le responsable programme. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes en train de préparer la loi de règlement et de la faire voter. Vous verrez que, généralement, c'est le ministre des Finances, c'est le ministre du Budget. Certains ministres vont passer globalement pour dire, bon, ben, on avait voté tant, on a utilisé tant, et voilà. Mais il n'y a pas en face de chaque budget utilisé les résultats concrets obtenus de la consommation de ces crédits. Il n'y a aucun engagement précis. On dit qu'on a utilisé, bon, vous avez vu, est-ce qu'on a inauguré ? Mais or, dans le cadre des budgets-programmes, ministère par ministère, programme par programme, on va dire, mais voici l'argent, voici les résultats qui avaient été annoncés pour être atteints. Si on a consommé tant d'argent, ça nous a permis d'atteindre tel résultat. Et on doit faire le rapport entre les résultats et l'argent consommé, compte tenu des indicateurs qui sont au milieu. Parce qu'on définit à chaque fois des indicateurs. Par exemple, on va dire le nombre d'hôpitaux à rénover dans l'année. À la fin, il faut dire, j'ai obtenu tant d'argent, j'ai rénové tant d'hôpitaux. Ça a permis d'accroître, par exemple, le nombre de lits par hôpitaux de temps pour le pays. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, les populations vont être mieux servies parce que l'engagement des gestionnaires de crédit, des décideurs, sera plus fort et plus résolu en ce sens qu'eux-mêmes encourent des responsabilités compte tenu du fait que la Cour des comptes va désormais réellement fonctionner.